Bonjour et bienvenue sur lasdi.com pour un petit tuto sur comment contrôler un servomoteur avec un potentiomètre. Pour en savoir un peu plus sur le potentiomètre, je vous invite à regarder la vidéo numéro 10. En ce qui concerne les branchements, pour le potentiomètre, la première et la dernière patte sur le plus 5 volts est le GND, et celle du milieu sur A0. Pour le servo, le GND c'est le fil marron, le plus 5 volts c'est le fil rouge, et le signal c'est le fil orange sur le D6. Passons maintenant au programme. Nous commencerons par la librairie des servos. On appellera le servo moteur. On dit que le potentiomètre est sur l'entrée analogique A0. Une variable val potentiomètre pour la valeur du potentiomètre. Et servo val pour la valeur du servo en fonction du potentiomètre. Dans setup, on dit que le potentiomètre est une entrée et le servo en patte 6. Dans loop, on lit la valeur du potentiomètre, on map cette valeur de 0 à 1023 sur la valeur du servo de 0 à 180, on envoie cette valeur au servo, et on recommence. Il vous reste à téléverser le programme sur la carte, et on s'aperçoit que l'orientation du servo suit celle du potentiomètre. Le programme est disponible sur lasdi.com, rubrique Arduino. J'espère que ce petit tuto vous aidera dans vos montages. N'hésitez pas à partager. Merci et à bientôt !